Salam alaikum, bonjour mes élèves. Donc la leçon d'aujourd'hui est intitulée la concentration molaire. Donc la concentration molaire. Donc avant d'entrer dans les détails de la leçon, je vais définir ce qu'on appelle une solution. Donc petit 1, une solution. Ou bien comment préparer une solution. Donc l'eau n'est pas une solution. Ou bien un liquide en général n'est pas une solution. Par exemple, on dispose d'un liquide, ça c'est un liquide. Un liquide, ça veut dire soit l'eau, soit cyclohexane, donc un liquide en général. Lorsqu'on dissout une espèce chimique, ça c'est une espèce chimique, espèce chimique, ça veut dire soit solide ou bien liquide ou gaz. Lorsqu'on dissout une espèce dans un liquide, on obtient ce qu'on appelle une solution. On obtient ce qu'on appelle une solution. Ça veut dire une solution égale un liquide plus une espèce dissoute. Donc une espèce dissoute. Donc l'espèce chimique dissoute est appelé le solité. Et le liquide dans lequel on dissout l'espèce chimique est appelé le solvant. Ça veut dire quoi? Pour préparer une solution, on a besoin d'un solvant et un solité. Ça veut dire une solution égale un solvant plus solité. Donc l'eau n'est pas une solution. Un solité. L'eau, c'est un solvant. C'est un liquide. Mais un solité. Mais l'espèce dissoute. Maintenant, l'eau n'est pas une solution. Par contre, l'eau plus le sel est une solution. Donc, une solution égale un solvant plus un solité. Donc, qui qu'on a dit un solvant et un solité. Donc, le solvant, c'est un liquide. Un solité, liquide, gaz ou insolite. Lorsque le solvant est l'eau, donc la solution est dite solution aqueuse. Donc si on utilise l'eau comme solvant, la solution est dite solution aqueuse. Ça veut dire une solution aqueuse égale l'eau plus solité. Égale à l'eau plus solité. Et voilà la définition d'une solution. Par exemple, une solution d'acide
est un week. Donc, pour préparer une solution d'acide éthanoïque, donc, le solvant, c'est l'eau, et l'espèce des soutes, c'est acide éthanoïque, donc égal l'eau plus acide éthanoïque. L'acide éthanoïque joue le rôle du soluté, c'est un liquide, et l'eau joue le rôle d'un solvant, aussi est un liquide. Donc, en bref, une solution égale un solvant plus soluté. Le solvant est un liquide. Le soluté, soit liquide, gaz ou bien un solide. La solution est dite aqueuse si le solvant est l'eau. Ça veut dire une solution aqueuse égale l'eau plus soluté.